au cœur de notre émission. Et si on en parlait, la radio-télévision Prince Way, nous recevons un artiste talentueux, un artiste confirmé qui va bientôt rentrer dans le cercle des artistes professionnels. Et lui, c'est Cisco de Bazé. Il fait la dédicace de son album de 9 titres seulement que ce 6 décembre 2019. Et puis, c'est pour demain déjà. Avec Cisco de Bazé, nous allons mieux en savoir. Mais en attendant que nous rentrons dans le but du sujet pour lequel nous recevons notre invité de qualité sur ce plateau, nous allons sur un peu une belle plage musicale grâce à notre technicien. Compositeur Cisco de Bazé. Alors Cisco de Bazé, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de te recevoir sur notre plateau. Nous avons quelques préoccupations à te poser par rapport justement à la dédicace de ton album de 9 titres. Cet album qui a pour titre principal la continuité, mais bien avant cela, tu vas en acapella bien sûr saluer tous tes fans et puis tout le peuple ouais donne un acapella. Merci. En tout cas, ne vous en faites pas. Cisco, le rendez-vous, c'est pour demain, à partir déjà de 19h. Vous pouvez prendre d'assaut la grande salle du Mont Zatro. Nous n'allons pas épuiser toute la voix qualitative de notre artiste Cissé de Bazé. En tout cas, Cisco de Bazé, il est vraiment très bon. Alors, Cisco, tu avais cette qualité, cette belle voix. Et pourquoi maintenant, c'est en 2019 que tu es arrivé? Je vais dire pourquoi c'est maintenant même qu'on découvre Cisco de Bazé, ce grand artiste. Oui, dans les années 2000, j'étais au village, au clair de la lune, où je chantais parfois avec certains grands frères. Voilà. Et là, j'ai décidé de venir en ville ici pour faire valoriser mon talent. Et là, tu accompagnais des gens? Oui. Sans bien même que tu étais un artiste de qualité. J'accompagnais, et tel que certains artistes de ma promotion, tel que l'Avocat par exemple, j'accompagnais. Et c'est ainsi que
mon cher grand frère Stéphane Zisson, il a vu que il m'a proposé certaines choses. Mais, ah, mon petit, mais tu as une belle voix, je t'ai connu. Et surtout qu'il ne néglige pas les qualités. Voilà. Tu es un chanteur, je sais que tu peux faire quelque chose au moins dans la culture, ouais, ton talent. Je vais essayer de te trouver quelqu'un de spécial, quelqu'un de cœur blanc, qui est mon papa Niaé Félix dit Bimango Flexi. C'est ça. Voilà, c'est ainsi que j'ai eu mon producteur Charbel. D'accord, d'accord. Voilà, Cisco de Basé, il est accompagné de son manager que nous allons recevoir tout à l'heure pour mieux en parler de cette dédicace qui va se tenir demain déjà, 6 décembre 2019 au Mont-Osato. Alors, Cisco de Basé, tu vas dire en ouais à tous les ressortissants de la région du Guémo et du Kabali de se mobiliser comme un seul homme pour se rendre demain au Mont-Osato. Lance ton appel en haut. Yeah. Au bon, y'a un en clair, quoi, quoi. On va bangler, quoi, on va doubler, quoi, on va faire quoi, quoi, on va mi-abli, quoi, quoi, quoi. Maintenant, on met ma dédicace en anglais, et en vendredi, maintenant, on met de mon atro, à ouye de goya, à ouye son mopo, à ouye on pa boyide. Bléa et bia de zinzin, dit elles ont pour emmener blaye. Mais de bléa yad mou mena ou. Cisco de Basé, tu nous viens de quel village? Je viens de Dirouzon, Zbiao, dans le département de Pangolo, précisément, la sous-préfecture de Bewe Zbiao. En tout cas, Dirouzon, Zbiao, vous avez vraiment intérêt à vous mobiliser parce que au sein de ce village-là, il y a vraiment des artistes de qualité. On n'a aucun regret vraiment de découvrir cet artiste Cisco de Basé. Et je vous dis que Cisco de Basé, tous ceux qui vont vraiment se rendre à ce grand rendez-vous qui est pour demain, vendredi 6 décembre 2019 au Mont-Sato à partir de 19h, n'auront vraiment aucun regret parce qu'il y a artiste et il y a artiste. Cisco de Basé. Et comme j'ai raison, un deuxième accord. Lui donne au moins un 19 sur 20. Ce que vous pouvez faire, c'est de faire en sorte que tous ceux qui écoutent cette émission soient vraiment fiers. Et puis partager, permettre aussi à ceux qui sont auprès de vous de découvrir Cisco de Basé. En tout cas, c'est un très très bon artiste. Alors Cisco, on peut connaître déjà le parrain de cette cérémonie. Le parrain, c'est M. Siagae Noël. D'accord, on reviendra sur les officiels avec disons, ton manager. Alors, c'est un album de 9 titres. Alors, qu'est-ce que tu dis dans ces 9 titres? Le titre, par exemple, que tu viens de chanter. La continuité. Voilà, pourquoi la continuité? Oui, la continuité. Ben, je dis la continuité parce que dans mon village basé natal d'où je viens, il fut certain chanteur qui, aujourd'hui, tel que sous le bat de Basé, à son âme, mon grand frère que je dois rendre hommage.
Soul Bat. Mais il y a la comédienne Basée aussi qui vient de là-bas. Oui, oui, il y a Basée Thérèse qui est Basée là. Thérèse. En tout cas, Basée Thérèse, voilà un fruit qui est vraiment très très bon, Ça prouve que avec tout ce qui est Basé, on est vraiment d'accord. Alors, Basé, avant que tu ne viennes sur ce plateau, moi, j'ai une question qu'on m'a posée, je vais te poser. Il y a une belle femme là-bas, qui est à Abidjan, et qu'elle a dit que ta voix là, quand tu chantes ta voix, vraiment, elle ne peut pas tenir. Alors, comment tu t'es arrangé pour avoir une belle voix comme ça? Belle, seulement je peux dire que c'est, tout ça c'est l'œuvre de Dieu en fait. C'est l'œuvre de Dieu. Et tout ce style que tu as, c'est aussi l'œuvre de Dieu, ou bien c'est pour séduire les nanas? Bon, le style que je possède, c'est depuis mon passage. Ah bon? Tu es vraiment très bien habillé. J'ai été toujours comme ça. Alors pourquoi bien s'habiller quand on est un artiste? Oui, mais quand on est artiste, il faut souvent bien s'habiller pour attirer les fanatiques, pour attirer l'attention de tout un chacun. Très bien. Et comme ce que tu dis, c'est vrai. Alors pour cette fille-là, donne un troisième attaque à Capella. L'artiste talentueux confirmé, Cisco de Basé, l'artiste à la voix d'or. Il fait la dédicace. Le turbo compresseur. Dans les quatre macapilles. En tout cas, c'est formidable. Je dis, quand vous voulez chanter, et que vous savez que franchement, vous n'avez pas une belle voix et que vous n'êtes pas inspiré, c'est pas la peine de forcer. Cisco de Basé, voilà un bel exemple qui nous est donné au plan national et international. Et puis, après ta dédicace, tous ceux qui veulent vraiment rentrer en contact avec Cisco de Basé pour leur cérémonie redivers, on aura tout à l'heure le contact avec le manager. Ok, pas de souci. Alors, c'est pour demain, vendredi 6 décembre 2019, au Mozatro, à partir de 19h, la dédicace de l'artiste talentueux confirmé Cisco de Basé. Le titre principal de cet album est La Continuité, un album de 9 titres. Est-ce que l'entrée est payante? L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Oui. Alors, pourquoi l'entrée est gratuite? Oui, ben, c'est parce que parfois, il faut être généreux. C'est ça. Et surtout que c'est le premier album. C'est le tout premier album aussi. Il faut aussi attirer beaucoup de fans. Et il faut permettre quand même à tout le monde de venir. Voilà. Et ceux qui veulent venir aussi, à les enfants de venir. Voilà. Le Mont Zatro est situé dans la commune de Yopougon. Et c'est non loin de la place CPR. Nous sommes à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et puis, comme on le dit toujours, la Côte d'Ivoire, c'est le pays des ressortissants, ouais, en particulier. Et puis des Ivoiriens en général. Voilà, nous allons recevoir maintenant le manager de l'artiste Cisco de Basé. Entre temps, notre technicien va nous donner encore une belle plage musicale. Na zoa ni zayo, na zoa ni zayo, na zoa ni zayo.
musicien qui nous a permis de souffler un peu avec cette belle plage musicale tradie moderne. Ouais. Maintenant, nous sommes avec le manager de l'artiste Cisco Nubazier. Ici, il s'agit de Stéphane Zisson. Stéphane Zisson, au-delà de sa qualité de manager d'artiste, il est directeur général de sa propre entreprise. Il est en même temps opérateur économique parce qu'il emploie aussi des ouais qui travaillent comme il se doit. Donc, c'est un opérateur économique. Il se lance aujourd'hui dans la carrière, dans le management de la carrière des artistes. Et puis, le choix est porté sur Cisco de Basie. Alors, Stéphane, bonjour. Très bien. Alors, Cisco de Basie, en quoi est-ce que c'est un artiste qui t'a conduit? D'abord, on dit merci à l'entreprise InfoGania pour ce moment choisi pour notamment nous interviewer. Parce que Cisco est un jeune frère lors des campagnes législatives passées. Il a fait un futuré. Qui m'a convaincu et j'ai décidé d'aider ce jeune de ma manière. C'est ça. Donc voici un peu pourquoi l'impression qu'on va aider ce jeune. D'accord. Alors, cette importante cérémonie qui va se dérouler demain déjà, 6 décembre 2019, pour Monsanto, à partir de 19h, quels sont les officiels qui grignotent autour de cette cérémonie? Les officiels sont que le grand frère Siagaï Noël, déjà, je pense à lui vraiment dire merci parce qu'il a été ce jeune frère a notamment fait sortir son talent en acceptant évidemment parrainer cet événement. Il est le parrain. Il est le parrain. D'accord. Il est en Europe. C'est donc Siagaï. Siagaï, il est en Europe. Alors donc on peut dire comme ça un grand merci à Siagaï depuis l'Europe et que Dieu le bénisse en lui donnant au centuple déjà ce qu'il investit pour l'artiste. Allons-y. Le président de la cérémonie. Le président de la cérémonie qui se nomme Tyler. Tyler, directeur d'une société de la place à Abidjan ici, a décidé évidemment d'apporter son aide à ce jeune frère. Lui dit aussi merci. D'accord. Merci. Et le patron de la cérémonie? La patronne de la cérémonie, elle se nomme Ato Adélaïde. Étant. Elle est neveu. Elle est nièce alors? C'est notre nièce du moins. C'est notre nièce. C'est ça. Elle a décidé. Et elle est ici en Côte d'Ivoire? Elle est en Côte d'Ivoire. Très bien. Elle est ici en Côte d'Ivoire. Elle a décidé. Elle veut apporter l'aide parce que Cisco est son oncle. D'accord. Est son oncle. Donc elle a décidé de nous aider pour notamment encore avancer l'œuvre qui est aujourd'hui la culture. Oui. C'est ça. D'accord. Alors donc il faut vraiment une mobilisation exceptionnelle. Il faut que déjà on prenne d'assaut le Mozatro. Et pour ça, je vais dire au manager Stéphane Zisson, en ouais, de lancer un appel pour dire tout le monde, on se rend là. Mais à bon, elles ont tout dit.
D'accord. Voilà, donc on peut dire comme ça au passage, grand remerciement à Blimango qui quand même apporte beaucoup de soutien dans le showbiz musical, ouais. Oui, en tout cas, lui, le jeune frère qui est Cisco, il est la quatrième personnalité d'aujourd'hui que Blimango a produit. D'accord. Ok, donc comme ça, que Dieu bénisse encore au centuple toutes les attentes de ce grand homme au grand cœur, Blimango. Nous sommes à la fin de notre si belle émission. Et si on en parlait, nous avons reçu sur ce plateau l'artiste Cisco de Basé avec son manager Stéphane Zisson. Il s'agit de la dédicace de tout premier album de l'artiste talentueux confirmé, Cisco de Basé, un album de 9 titres, La Continuité, qui va se tenir demain, vendredi 6 décembre 2019, à partir de 19h, au Mont Zatro de la commune de Yopougon, non loin de la place CP1. L'entrée est gratuite. Et puis pour ceux qui ne savent pas où se placer encore exactement, on va un peu plus loin pour dire que nous sommes dans la commune de Yopougon et ça à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et puis la Côte d'Ivoire, sans faire des jaloux, c'est le pays des Ouais d'abord et puis de tous les Ivoiriens. Ensuite, le rendez-vous est pris, c'est pour demain. Bye bye. On vous dit un grand merci. On se retrouve là-bas. Merci.